Déjà qu'on voit que la conquête marche plutôt bien, qu'on est performant devant, les matchs on les rend beaucoup plus faciles et c'est ce qu'on a fait à ce match. Sur 4 matchs à l'extérieur, on est sur 2 victoires et un bonus défensif. C'est pas mal du tout quand même. C'est sûr qu'on aurait pu gagner surtout à Montauban. Je pense qu'on aurait pu ramener plus de points. Mais bon, c'est en prenant des belles perfs, gagner en Narbonne, gagner en Carcasse, c'est vraiment bien. C'est juste casser les dents au Rio, mais bon, c'était gros. C'était une erreur de. Match de reprise un peu compliqué, mais on a subi encore une pire par la suite. Donc, c'est pas si négatif avec ça, de mon point de vue. Moi, non, c'est sûr. On l'a bien préparé. Comme le début de saison, voilà. Sûrement. Application, beaucoup d'enthousiasme dans le groupe et de l'envie pour aller jouer le week-end. Après. Surtout que c'est le dernier match du bloc, du coup c'est vraiment le match qu'on attend. Les pieds fermes, surtout face à un gros qui descend le top 14. Donc ça va vraiment être un match où on va se tester, vraiment. Et on espère qu'on va tout donner pour gagner. Quoi. Le public, à domicile. Non, ils ont un gros engouement autour de leur équipe, ils ont un gros pack, ils s'appuient beaucoup sur les ballons portés et je pense, comme tu as dit sur la question précédente, le derby basque-hollandais, ça va être une grosse fête autour du match, donc je pense qu'ils seront à fond et ça va être un gros match. Après leur... C'est une équipe qui descend top 14, donc ça va être un gros bon match. On sait qu'on va chez un gros pour un gros. Pas du tout. Enfin, je sais pas, moi personnellement non du tout. Non, je n'ai pas écrit à Teva du coup. Tu parles de Teva du coup. Mais non, pas encore. Non, je pense pas qu'on se chambera. À la fin du match ou avant le match, il y aura peut-être quelques pièces, mais ça va faire plaisir de le revoir et en espérant qu'on aille gagner là-bas. Déjà pour les remercier pour le début de saison parce qu'ils nous ont suivis et à l'extérieur et à domicile où ils étaient nombreux et ça nous fait du bien, ça nous aide donc qu'ils continuent comme ça et on les attend à Bayonne du coup pour aller essayer d'aller faire un gros match et d'aller gagner là-bas. Ah ouais, ben, il faut qu'ils viennent nombreux parce qu'on va avoir besoin d'eux face aux supporters de Bayonne qui vont être très nombreux et eux c'est vraiment, quand on parle de 16e homme pour eux c'est vraiment très important du coup nous aussi on a besoin d'eux. Si vous voulez des gros porcs couverts, vous y allez.